Sylvain Timsit, ce sujet des maîtres du monde, du gouvernement mondial, je note sur le site, mais ça ne représente qu'une toute petite partie de ce qu'on trouve sur city.net, syti.net, www.syti.net. Il est évoqué les stratégies de manipulation en 10 points. Donc je voudrais te citer les 10 points les uns après les autres en attendant à chaque fois le commentaire. Stratégie de manipulation, donc la diversion comme premier moyen. Voilà, alors ça c'est la grande stratégie qui va avec le phénomène d'abêtisation des masses, hein. C'est-à-dire plutôt que les gens regardent en direction des problèmes importants, on essaie qu'ils regardent en direction des choses insignifiantes, les plus insignifiantes possibles. On essaie de les distraire, de faire diversion, en attirant leur attention vers toute une foule d'événements, d'informations, etc., sans aucune importance réelle. Donc ça, la stratégie de la diversion, c'est une stratégie maître, hein, des maîtres du monde, si je puis dire. C'est un atout maître qui marche très bien, qui est très répandu, qui est utilisé depuis de nombreuses années. Et il y a un document qui est présenté sur le site, qui est un des documents qui est attribué ou attribuable aux organisations des maîtres du monde. Il s'appelle Armes silencieuses pour guerre tranquille, qui explique comment effectivement on peut mener des espèces de guerres furtives qui ne se voient pas, qui sont des guerres intérieures, des guerres de manipulation, des guerres économiques, hein, et non pas des guerres avec des tanks, hein, mais ce sont des guerres qui remodèlent une situation, qui changent la donne et qui permettent de manipuler complètement une société. Et ce document dit garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivés par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, 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 sans aucun temps pour penser, de retour à la ferme avec les autres animaux. Et c'est vrai que dans la gestion de la société, on est dans un concept de ferme, c'est-à-dire un concept d'élevage, où il y a une population qui est là pour être exploitée, qui doit être... On vient la traire, on vient en exploiter les ressources, le lait, la laine et la viande, au bénéfice des bergers, des propriétaires de la ferme. Voilà, et on est un petit peu sur ce modèle-là. Donc ça, c'est la première grande méthode, la stratégie de la diversion. Oui. Point numéro 2, créer des problèmes, puis offrir des solutions. Voilà, alors ça, c'est... On en parlait un tout petit peu tout à l'heure, hein, déjà, à propos de la stratégie qu'on prêtait aux Illuminati. Et c'est vrai que c'est une stratégie qu'on a vue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on regarde bien, je veux dire, ces stratégies sont apparentes, c'est-à-dire elles agissent sur des événements réels, donc ça se passe sous nos yeux. Alors, créer des problèmes puis offrir des solutions, c'est par exemple laisser se dégrader la sécurité pour ensuite faire passer des mesures sécuritaires qui vont restreindre la liberté, par exemple. Ça peut être créer un attentat qui va servir à justifier des mesures de restriction des libertés, des mesures sécuritaires sans précédent. Inventer un charnier pour déclarer une guerre. Voilà, par exemple, etc., etc. C'est l'incendie du Reichstag par les nazis pour servir de prétexte à la répression ensuite contre les communistes et les opposants de l'époque, etc., etc. Donc ça, c'est une stratégie machiavélique qui est utilisée qui a été utilisée vraiment beaucoup par beaucoup de monde. Créer des problèmes et ensuite offrir des solutions. Et on parlait des implants, mais c'est la touche finale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va finir par imposer vraiment les implants au moment où il va être décidé que ça y est, qu'on va le faire. Bah, imaginons qu'on ait un attentat nucléaire dans une ville occidentale. Ça va créer un tel état de choc, d'effroi, d'épouvante des populations, que les gens vont être à ce point demandeurs de sécurité, qu'ils vont être prêts à tout accepter. Si on leur dit qu'un bon moyen pour être sûr de vraiment contrôler tout le monde, les déplacements de tout le monde, etc., c'est que chacun se fasse implanter une puce, hein, les gens vont l'accepter. Il va se trouver plein de voies pour dire que, ben oui, c'est mieux que d'avoir des bombes nucléaires. On voit déjà à quoi les passagers européens sont prêts à sacrifier pour embarquer sur un avion de ligne américaine. Voilà, voilà. Donc ça déjà, donc ça n'est qu'un pas de plus. Le chemin est déjà tracé, il suffit d'aller un tout petit peu plus loin, juste un tout petit peu plus loin. Mais on est déjà ô combien engagé dans ce chemin. Troisième point, la stratégie du dégradé. Alors ça, c'est comment imposer un changement inacceptable. Donc il y a créer des problèmes pour offrir des solutions, ça permet de faire...
pire, il y a des solutions plus un peu plus soft. Donc stratégie dégradée, c'est par exemple ce qui s'est passé au niveau de l'économie, c'est-à-dire dans les années 70, on était dans un contexte quand même assez à gauche, les syndicats étaient forts, il y avait un mouvement gauchiste qui était encore assez présent, etc. Il aurait été impossible de faire accepter d'emblée l'ensemble des conditions économiques et sociales dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui, sans susciter une révolution complète à l'époque, c'est-à-dire on a eu mai 68 pour beaucoup moins que ça. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris ? Ben, progressivement. C'est-à-dire, si les changements se font par degrés, un tout petit peu, puis un petit peu plus, bon, ben, ma foi, à chaque fois, ça n'est pas beaucoup plus que là où on était déjà. Donc, on peut l'accepter. C'est-à-dire des salaires un petit peu plus bas, des conditions de travail un petit peu plus dures, un petit peu plus de chômage, un petit peu plus de précarité. Une TVA 19,6 qualifiée de provisoire. Voilà. Alors, il y a le provisoire qui dure. Ça, c'est encore une autre stratégie qui est souvent utilisée. Les choses provisoires qui, en fait, deviennent définitives. Alors, le dégradé, ça c'est vraiment... si le changement se fait par degrés, suffisamment progressivement, même l'élimination de la démocratie, c'est-à-dire la dérive vers un système de plus en plus policier, sécuritaire, on réduit de plus en plus les libertés, on instaure de plus en plus une surveillance électronique généralisée, etc. Si on fait tout ça d'un seul coup, c'est impossible. Ça suscite évidemment une réaction. Mais si on fait ça petit à petit, étalé sur 10 ou 20 ans, ça va tout seul. D'autant plus que de l'autre main, on s'est arrangé pour rendre les gens amnésiques et ne pas qu'ils mémorisent les informations. Donc tout ça va de pair, c'est-à-dire c'est une stratégie globale qui agit sur plusieurs terrains simultanément, et au bout du compte, on arrive à faire accepter l'inacceptable. Oui, on arrive à la stratégie du différé. Elle est intéressante aussi. Voilà, ça c'est par exemple... Ça a été par exemple le traité de Maastricht, ça a été les accords multilatéraux qui vont bientôt unir les Amériques en fait. Tous les pays d'Amérique vont former une espèce de marché unique hein, où les entreprises vont bénéficier de droits absolument fantastiques sans avoir aucun devoir en contrepartie. Enfin, bref, ce sont des accords assez inacceptables que les États-Unis ont réussi à faire accepter à des pays comme le Mexique et aux pays d'Amérique latine qui n'étaient pas très chauds. Bon, en faisant pression sur eux et surtout en leur disant que ça n'entrerait pas en vigueur avant 2005 pour une partie de l'accord ou 2007. Hein. C'est ça, pas pour ce gouvernement, mais pour le prochain, ça sera un autre problème. Et voilà, c'est dire, bon, on va prendre cette mesure, ok, c'est difficile, mais elle va pas rentrer en vigueur tout de suite, c'est seulement pour dans 5 ans ou dans 10 ans. Ce qui fait qu'au moment où c'est réellement appliqué, bah d'abord, les gens ne peuvent que l'accepter, puisqu'ils s'y sont engagés précédemment, ils l'ont précédemment accepté. Donc une fois que le moment est venu, bon, ok, c'est dur, mais ils ont été d'accord pour ça précédemment. Voilà. Et puis d'autre part, les gens acceptent toujours plus facilement un sacrifice pour plus tard que pour tout de suite, parce qu'on a l'espoir que finalement ça n'arrivera pas, ou qu'on sera pas finalement obligé de le faire, etc. On préfère toujours payer plus tard que payer tout de suite. Voilà. C'est le 20e siècle, le point numéro 5 des stratégies de manipulation, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Oui, alors ça, là encore, on le voit souvent. C'est-à-dire, d'abord dans la publicité, c'est-à-dire toutes ces publicités qui s'adressent au public sur un ton infantilisant, qui ont un scénario débile, c'est-à-dire un scénario absolument non crédible, où on voit un personnage absolument improbable, qui fait quelque chose d'improbable, à moins qu'il soit vraiment très bête, hein, ou vraiment très très infantilisé. Donc le fait de mettre en scène ce genre de personnage, c'est une sorte d'appel du pied pour faire comprendre aux gens finalement que c'est normal d'être comme ça, c'est normal d'être infantile, c'est normal d'être gnangnan, c'est normal de ne pas avoir de sens critique. Ouais. Et là encore, j'ai cité un extrait du document dont je parlais tout à l'heure sur les armes silencieuses. Ce document dit à un moment donné, si on s'adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans, alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine probabilité, une réponse, une réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Et c'est vrai que ça marche. En psychologie, ça marche. C'est-à-dire le phénomène d'induction. Si vous mettez deux personnes en présence, si l'une va avoir un comportement, par exemple, très jovial, l'autre personne va être amenée à prendre un comportement jovial aussi. Si elle a un comportement plus froid, l'autre personne va être amenée à la même chose. Et si elle a un comportement complètement infantile et stupide, l'autre personne va adopter un petit peu le même type de comportement aussi. Il y a une suggestibilité, un transfert en fait d'humeur, de comportement, quoi. Et on connaît des publicitaires qui, pour ajouter une extension à leur jardin, s'offrir une piscine ou changer de voiture, ont conçu un slogan, que tu donnes un exemple, les jours heureux,
Alors qu'en fait, il n'est pas appelé à en penser quoi que ce soit, simplement s'enrichir au passage en inventant une devise conditionnante. Voilà, alors ça, on s'en souvient de cette campagne. Alors là, c'est un exemple vraiment extrême parce que c'était une publicité vraiment très très infantile, hein, pour un sujet vraiment très sérieux. Et donc, comment est-ce qu'on a vendu l'euro aux gens avec des spots, avec des petites chansonnettes, des espèces de petits personnages, hein, je sais pas si tout le monde se souvient de ces personnages, il y en avait qui étaient assis sur un canapé, enfin, dans des espèces de scénettes complètement improbables, en fait, tout ça pour parler d'un sujet extrêmement sérieux qui a eu des conséquences très importantes et qui en a encore aujourd'hui. Bon, la première a été quand même une hausse des prix de 40% des produits de base. Donc ça, on n'a pas dit aux gens avant, tiens, ça va provoquer une hausse des prix. On leur a même dit le contraire. On leur a dit, voyez, ça va faire plus de concurrence, ça va faire une baisse des prix, ça sera tout bénéfice pour le consommateur. Bon, enfin, le consommateur a vu effectivement que combien ça avait été son bénéfice. Mais par contre, après, on n'en a plus reparlé. C'est-à-dire, après, il n'y a plus eu débat sur la question. On a consciencieusement oublié ce qu'on avait dit avant, et voilà, on n'en reparle plus. Il y a une amnésie générale qui facilite l'oubli des incohérences comme ça, qui sont dites pour... Donc on va y voir ce qui va se passer pour la Constitution, comment seront les pubs pour la Constitution européenne, mais c'est vrai que souvent plus le sujet est important et plus la pub est infantilisante. Et la manipulation est grossière, mais on n'ose quand même pas se dire que certains de nos contemporains seraient manipulateurs à ce point et personnellement intéressés au point de nous concocter des carcans, des prisons, des limites. Oui, en fait, faut bien comprendre en fait comment marche le système des maîtres du monde. C'est-à-dire, ce sont pas des gens qui décrochent leur téléphone, qui donnent des ordres directement. Un système aussi hiérarchisé comme ça ne pourrait pas marcher sur une échelle aussi large. Ça doit intégrer un degré de souplesse beaucoup plus large. Donc, en fait, le but, par exemple, n'est pas de contrôler tous les médias, ni de contrôler toutes les agences de publicité, mais de faire en sorte que parmi les médias les plus influents, parmi les agences de publicité les plus influentes, il y ait des gens qui, eux, soient membres d'organisations dans lesquelles on va réfléchir à telle ou telle chose et dans lesquelles on va préconiser comme étant plus efficaces certaines techniques de conquête économique pour avoir des marchés, pour augmenter l'audience, etc. Et en fait, ce qu'on suggère comme étant efficace, finalement, c'est pas si démontré que ça, que ce soit vraiment efficace. Par exemple, au niveau économique, on a suggéré aux entreprises que l'efficacité, c'était vraiment de diminuer le personnel jusqu'à des points extrêmes, jusqu'à la caricature. Et on arrive au downsizing, à des entreprises qui ont tellement épuré leur personnel que finalement, elles ne sont plus rien. C'est-à-dire, elles deviennent des bureaux d'études qui sous-traitent tout, absolument tout, qui ne fabriquent plus rien par elles-mêmes, qui ne font que coordonner des sous-traitants qui se trouvent à Taïwan, en Chine, en Espagne, ou je sais pas où, etc. Et qui arrivent aussi à avoir des call centers pour traiter les appels des clients, qui arrivent à ne plus avoir de stock, à des flux tendus, etc. Donc toutes ces pratiques, en réalité, diminuent la qualité du service client. Donc on pourrait considérer qu'en réalité, elles sont absurdes, qu'elles sapent les bénéfices à long terme de l'entreprise. Et pourtant, elles sont massivement adoptées. Parce que certes, il y a des bénéfices à court terme, mais aussi parce que on a fait circuler ces idées, ces théories économiques, de marketing, etc., abondamment par tout un tas de canaux. Et toutes ces organisations, de fil en aiguille, chacune se rattache à une organisation plus importante, qui se rattache à une organisation plus importante. Et c'est comme ça que les idées circulent du haut vers le bas, et chacun, finalement, n'a que l'impression d'agir dans son intérêt. Par exemple, le chef d'entreprise a l'impression d'agir pour que son entreprise soit encore plus rentable. Le chef du service d'information de France 2, bon, certes, il a des amitiés avec quelques personnalités politiques et quelques patrons, mais il va surtout rechercher l'audience. Simplement, il croit, à tort, mais il croit quand même, sincèrement, que l'audience s'obtient en faisant tel et tel type d'émission, c'est-à-dire en faisant des émissions pas trop intelligentes, un peu racoleuses, qui font pas trop réfléchir, etc. Donc c'est plus un système de suggestion, en fait, hein, de bain culturel, de bain des idées, etc. Mais si on retrace d'où viennent ces idées, on s'aperçoit que ces idées, ces théories économiques, sont parties d'un très petit nombre de centres au départ. Simplement, ces centres, ils ont transmis à d'autres centres, qu'ils ont transmis à d'autres, etc., pour arriver en bout de chaîne à tous les gens qui sont en poste dans les entreprises, les médias, etc. On donne un objectif et on confie à une agence le soin d'employer, de trouver les moyens pour le réaliser.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a ces think tanks, ce qu'on appelle ces clubs de réflexion, dans lesquels on va retrouver un grand patron des grands patrons de banques, de grandes entreprises, des responsables d'agences de communication, des patrons de médias, des rédacteurs en chef, etc. Et c'est là que se fait ce bain d'idées, ce bain d'influence. Hein. Et puis ensuite, ces personnes vont chacune dans leurs médias appliquer ces théories, et il se trouve que ces médias vont être les médias dominants, chacun dans leur secteur. Donc les médias qui donnent l'exemple aux autres, que les autres cherchent à copier. Et en échange, on les rétribue par des pages de publicité dans leur magazine souffreteux. Voilà. Et le fait est que on a effectivement des médias aujourd'hui qui sont beaucoup plus uniformisés qu'il y a quelques années, qui utilisent... Les pharmaceutiques s'illustrent bien dans ce domaine. Il suffit de contrarier une entreprise pharmaceutique sur un produit, et ce sont des millions d'euros que l'on perd en budget à la fin de l'année. Oui, voilà, absolument. Il y a des enjeux économiques derrière qui sont vraiment tout à fait concrets, en fait. Alors, et le point 6, faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. On peut peut-être le fusionner pour accélérer un petit peu avec le point 7, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise, déjà évoqué en partie. Oui, ça va un petit peu de pair, hein, l'infantilisation, Ça encore, c'est un grand truc que les psychologues connaissent bien, c'est-à-dire l'émotionnel court-circuite la réflexion, c'est-à-dire l'émotionnel est régi par l'irrationnel, on est sous le coup d'une émotion, on ne réfléchit pas à ce moment-là, on a une impulsion première comme ça, on est mu par un grand sentiment, on a une pulsion comme ça, par exemple on est horrifié par ce qui s'est passé le 11 septembre, alors on veut de la sécurité. De même, tous les débats importants, quand on cherche à y introduire de l'émotion, c'est suspect, ça veut dire qu'on veut éviter en fait la réflexion, parce que qui dit réflexion dit capacité d'exercer un sens critique. Quelqu'un a observé récemment que jamais la Grèce ne s'est sentie aussi soudée qu'après sa victoire en foot, donc de la manœuvre politique dans le sport. Oui, voilà. Et même les sujets sérieux, on essaie d'en parler de manière émotionnelle plutôt que rationnelle. Faire appel à des grands sentiments, même flous, même abstraits, mais on fait appel à l'émotionnel. Et ça, c'est un truc vraiment connu, hein, des psychologues, et même par exemple à une échelle individuelle, c'est un petit peu ce qui se passe dans un couple entre un homme et une femme, c'est-à-dire ce sont les grands archétypes, c'est-à-dire quand il y a une dispute, en fait, la femme brandit toujours des arguments affectifs du style « tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes plus, tu ne penses pas assez à moi », etc. Enfin, alors que l'homme a des reproches beaucoup plus rationnels souvent, etc. Ce qui fait dire à certains que finalement, le système du contrôle des maîtres du monde, par son côté indirect, par son côté manipulation indirecte, manipulation par l'émotion, etc., est un système de contrôle féminin, par opposition à un système de contrôle masculin, comme peut l'être, par exemple, une dictature comme celle de Pinochet ou Mussolini, c'est-à-dire qui vise au contrôle absolu, etc. C'est-à-dire, là, les maîtres du monde, en fait, visent le contrôle relatif à chaque fois, pas le contrôle absolu. Et ça demande beaucoup moins d'efforts, parce que c'est bien connu que les 80% d'un résultat sont obtenus avec les 20 premiers pourcents des efforts. Et qu'ensuite, les 80% d'efforts suivants servent à obtenir seulement les 20% de résultats. Donc c'est vrai qu'une censure qui ne cherche pas à contrôler absolument tous les médias, toutes les émissions, etc., mais qui cible son contrôle sur les points les plus importants, va dépenser très peu d'énergie. Il ne va pas y avoir besoin d'une bureaucratie qui contrôle toute la presse, toutes les radios, ça va fonctionner finalement de manière beaucoup plus légère et au bout du compte plus efficace, plus efficiente. Donc là on a dérivé par rapport au point, on disait maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Mmh. Et c'est vrai qu'il y a des sociologues qui ont très bien écrit là-dessus, je pense à Gilles Châtelet qui a écrit « Vivre et penser comme des porcs », sous-titré « De l'envie à l'ennui dans les démocraties marché ». Donc ça, c'est un bouquin extrêmement acide, corrosif, avec une bonne dose d'humour, hein, sur la société de consommation. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce d'apologie de la bêtise, c'est-à-dire c'est cool d'être bête, vulgaire et inculte. Et c'est presque ringard d'être intelligent, parce que c'est assimilé finalement à se prendre la tête de réfléchir. Là, Sylvain Timsit, tu m'as devancé. On est en train d'aborder le point 8, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Voilà, c'est-à-dire qu'en plus, on l'encourage à s'y complaire, à trouver ça normal. C'est-à-dire qu'on lui offre des modèles de référence, qui sont des présentateurs télé ou des pubs, etc., qui sont eux-mêmes complètement stupides. Donc, implicitement, on dit aux gens, vous voyez, Sylvie qui gagne beaucoup d'argent, il est présentateur télé, vous voyez, il est comme ça. Donc, sous-entendu... Le genre idéal.
Voilà, donc si vous êtes aussi bête ou encore plus bête, finalement, faut pas vous inquiéter, c'est normal, c'est même cool, c'est même branché. Voilà. C'est vrai que bon, voilà, tout ce qui est lié à tous les personnages à la mode, cool, qui plaisent, qui sont censés plaire au public, etc., se caractérisent par des blagues stupides, par des comportements, bref, on nage dans la bêtise, quoi. Je veux dire, on peut prendre n'importe quelle émission de TF1, on est quand même dans un degré d'absence d'intelligence qui commence à être terrifiant, quoi. Enfin bon, ça, tout le monde l'a vu, ça fait partie des choses que je crois que quand même beaucoup de gens ont constaté. Et nous n'aurons plus le Big Deal à la rentrée. Voilà. Mais on aura pire, qu'on se rassure. Le point numéro 9, remplacer la révolte par la culpabilité. Oui, alors ça c'est quand même une des grandes choses là, du libéralisme, c'est-à-dire que on fait croire par exemple aux chômeurs, aux exclus, que finalement c'est eux les responsables de leur malheur. C'est surtout pas le système, la société, le système économique qui est responsable de ça, ou le système financier, surtout pas. Non, c'est eux, c'est qu'ils n'ont pas été assez performants, ils n'ont pas fait assez d'études, ils n'ont pas fait assez d'efforts, ils n'ont pas été assez imaginatifs, hein. Bref, ils n'ont pas été à la hauteur, et donc c'est de leur faute. On leur suggère, par tous les moyens, que c'est de leur faute. On fait en sorte que quand on soit au chômage, automatiquement, on se culpabilise, qu'on s'auto-dévalue, qu'on s'auto-afflige, hein, plutôt que de se révolter contre un système. Donc ça, c'est vraiment très puissant, et ça marche, c'est-à-dire, du moins si on en juge par la majorité des interviews de chômeurs qu'on voit ici et là à la télévision, on voit des chômeurs qui culpabilisent, qui vont redoubler d'efforts et de docilité pour ensuite retrouver un travail, même s'il est moins bien payé, même s'il ne correspond pas à leurs qualifications, etc. Non, mais tu n'as pas cité explicitement l'entretien du chômage comme mode de contrôle. Oui, ça fait partie de la pression économique, c'est-à-dire que finalement, comment est-ce qu'on est arrivé à ces conditions économiques de chômage massif, de précarité généralisée, etc. Il y a eu un chantage à l'emploi, c'est-à-dire que encore, c'est créer des problèmes et ensuite offrir des solutions. Et se faire élire en prétendant le résorber. Voilà, en plus, c'est ça qui est plus fort, voilà, c'est qui est absolument génial. C'est, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on en est arrivé? Comment est-ce qu'on est passé de l'économie des années 70 à cette économie de précarité, de chômage généralisé? Rappelons-nous, parce qu'on a tout fait pour qu'on oublie, donc rappelons-nous, il y a eu la fameuse crise du pétrole. Tout a commencé en 1973, on nous a dit qu'il y avait la crise du pétrole. Donc les prix du pétrole avaient effectivement augmenté, ça a créé, cette hausse du prix des matières premières a créé une crise économique. Et c'est cette crise économique qui, en France, c'était les gouvernements de Raymond Barre sous Giscard d'Estaing à l'époque. Donc ça, on a proclamé le fait que c'était la crise, braves gens. Et en conséquence, il fallait que les entreprises deviennent plus compétitives pour faire face à la crise, voilà. Et c'est là qu'a commencé cette course à la compétitivité. Donc, pour être plus compétitif, il fallait mettre des gens au chômage et les remplacer par des machines ou tout simplement compresser les effectifs. On ne parlait pas encore à ce moment-là de délocalisation. On n'avait pas encore suffisamment stabilisé les pays du tiers-monde, ni suffisamment développé les infrastructures routières qui étaient nécessaires. Mais tout ça a été activement préparé pendant les années 80. Et donc, on s'est retrouvé au début des années 80 avec cette crise de pétrole qui durait déjà depuis un certain temps, qui avait servi à justifier déjà une sérieuse augmentation du chômage, une restriction quand même des avantages sociaux, un gel des salaires, etc., etc. Et puis, cette crise, finalement, officiellement, elle a duré pendant des années et des années. C'est-à-dire, on a cesser aux gens de dire que c'était la crise, que les pays étaient en crise, qu'il fallait toujours faire plus d'efforts pour être plus compétitifs, etc. Et que demain, braves gens, vous en aurez les fruits. Et là encore, les gens ont bien vu combien ils en avaient eu les fruits, effectivement, combien peu. Mais enfin voilà, on leur a dit faites des efforts, un jour vous serez récompensés. Et ça a duré 20 ans. Pendant 20 ans, ça a été officiellement la crise, alors qu'en réalité, pendant cette période de 20 ans, il y a eu beaucoup de phases de croissance, et de phases de croissance suivies de krach boursier, de crise de 1 ou 2 ans, et puis de phases de croissance à nouveau. Mais certains de ceux qui nous écoutent, qui sont âgés de 30 ans, n'ont jamais connu que cela. Voilà. Il y a maintenant tout un tas de gens qui n'ont connu que ces conditions, qui les considèrent donc comme normales. Ah, la France de Pompidou. mais c'est là que ça a commencé, en fait, hein. C'est ces années 73. Bon, Pompidou avait rapidement passé la main pour cause de maladie à Giscard d'Estaing.
Et avec Giscard d'Estaing, donc c'est là qu'on a eu vraiment un gouvernement dont peut-être 80% des membres appartenaient à des organisations des maîtres du monde, et en particulier il y avait beaucoup de trilatéralistes, à commencer par Raymond Barre. Et c'est là qu'il y a un pont avec la période d'aujourd'hui, puisque en fait notre premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, était à cette époque-là aux jeunes giscardiens, c'était le président des jeunes giscardiens. Donc il était très très proche de ce noyau politique qui était le premier gouvernement en France à appliquer cette grande restructuration économique qui allait changer complètement le paysage économique et social du monde, partout, dans tous les pays en même temps, de manière complètement synchronisée. Raffarin a exactement le même profil que Raymond Barre, pour faire à peu près la même chose, mais simplement en repasser une couche. C'est-à-dire, là, on est dans un contexte où, au niveau mondial, pas seulement en France, on est à nouveau, comme dans les années 80, dans une très grande phase de restructuration complète de l'économie, dans la même direction que précédemment, mais un cran plus loin, un bon cran plus loin. Donc on a des gouvernements qui sont tout à fait convertis à l'idéologie qu'il faut appliquer et qui font exactement le même sale travail dans tous les pays, démantèlement des services publics, privatisation, refonte des systèmes de retraite, etc. Donc vraiment partout, là, on est dans une très très grande vague de restructuration. Il fallait quelqu'un qui fasse le sale boulot. Donc on a pris un technicien, quelqu'un de pas connu du public, hein, mais qui en même temps soit, si possible, un gros, parce que ça rassure les gens qui ont une physionomie ronde, rassure davantage que quelqu'un qui est maigre et comme un Rocard, par exemple. Vous voyez, donc un Raymond Barre, un Raffarin, bon, ces rondeurs rassurent au début. Après, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des hommes à poigne, qui sont des vrais bulldozers, qui, quelle que soit l'opposition qui est en face, et c'est le cas de Raffarin comme de Raymond Barre, ils passent. C'est-à-dire, quelles que soient les protestations, les grèves durent un temps, mais au bout d'un moment, ben, si le gouvernement a sa majorité au Parlement, les lois sont votées, les décrets sont signés, et puis ça rentre en application, et les gens peuvent se manifester éternellement. C'est ce que Thatcher avait compris en Angleterre, c'est-à-dire, elle a eu des grèves qui ont duré 2 mois, 3 mois, elle a compris qu'il suffisait d'attendre le temps nécessaire et que les gens ne pouvaient pas faire grève éternellement, ne serait-ce que parce que au bout d'un moment, ils n'étaient plus payés. Donc Raffarin, voilà, c'est le bulldozer chargé de faire le sale travail. Donc il fait le sale travail dans un temps qui va être le plus concentré possible, c'est-à-dire en 3 ans. Après quoi, quand il aura fait le plus gros du travail, on le changera pour mettre un Premier ministre qui sera plus populaire et qui sera chargé, du moins l'espère-t-il à l'UMP, qui sera chargé de remporter le morceau pour la présidentielle en 2007. Donc on pense à De Villepin, qui est un proche de Chirac. Pour permettre à Chirac d'honorer sa parole, disant en privé, mais rapporté par LCI, Sarkozy, ce sera mon dernier scalp. Nous sommes-nous, le public, otages du règlement de compte personnel. Alors, Sylvain Timsit, le point 10 des stratégies de manipulation recensées sur ton site internet, c'est connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Alors, ça, c'est vrai que... Alors, ben, ça va avec le phénomène de bêtise dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que d'un côté, on a amené un public avec de moins en moins de sens critique qui trouve cool le fait d'être bête et inculte, le fait de s'intéresser à rien, ni à l'économie, ni à la science, ni à la société, ni à la psychologie, ni à la neurobiologie. Bref, tous les domaines qui finalement donnent le pouvoir, parce que ça donne des clés pour comprendre des rouages essentiels, soit de soi-même, soit de la société, etc. Je veux dire, la science est au cœur du monde d'aujourd'hui, la science, la technologie, et paradoxalement, le niveau de culture générale en science est des plus bas, et on ne fait rien pour que les gens s'intéressent à la science. Donc voilà, on arrive à un décalage qui devient vraiment très important et inquiétant, vu l'ampleur que ça prend, entre la faible connaissance que les gens ont d'eux-mêmes, de leur psychisme, de leur mécanisme interne, de leur cerveau, comment leur cerveau fonctionne, comment leurs humeurs fonctionnent, comment leur comportement fonctionne, comment la société fonctionne. Qu'est-ce que des choses assez centrales, des concepts vraiment comme la cybernétique qui sont... cybernétique, on peut faire une parenthèse, c'est la science des systèmes. C'est une science horizontale qu'on retrouve dans finalement toutes les sciences. Tout ce qui est système est régi par la cybernétique, qui est la théorie des systèmes. Donc une société qui est un système, une économie qui est un système, mais aussi un écosystème, un organisme, une cellule, tout ça sont des systèmes qui sont régis par la cybernétique. Or la cybernétique, pratiquement personne ne connaît. On a fait disparaître les livres au sens où
quand on va sur un site de vente en ligne de livres, on tape Norbert Wiener ou cybernétique, par exemple. Norbert Wiener, c'est le théoricien qui a inventé la cybernétique dans les années 40. Ben, on trouve très peu de bouquins et pratiquement tous ces bouquins sont épuisés chez l'éditeur. Certes, ils ne sont pas censurés, mais ils sont indisponibles chez l'éditeur. Donc dans les faits, ça revient au même. Et comme par hasard, ces livres-là vont être épuisés. On va pouvoir trouver des bêtises éditées à la même époque, des insipidités absolument pas possibles, mais livres sur la cybernétique, il y en a très peu qui sont édités, voilà, parenthèse. Donc en fait, on se retrouve à un décalage, avec un décalage entre la majeure partie de la population qui ne sait rien d'elle-même, qui ne connaît aucune clé sur elle-même, ni sur la société, et de l'autre côté, toute une armée de spécialistes qui travaillent pour les multinationales, pour les armées, pour les gouvernements, et qui, eux, sont arrivés à un degré de connaissance, de spécialisation scientifique et technique, hein, qui leur permet de connaître avec une précision millimétrique le fonctionnement du psychisme humain, de nos émotions, de notre comportement, le fonctionnement d'une économie, des biais par lesquels on peut manipuler une société, etc. Tout ça de manière extrêmement scientifique et précise, alors qu'en face, il y a une ignorance totale. Donc ce décalage-là est tout simplement dangereux, et en plus, il ne cesse de s'accroître. Hein. Puisque la technologie et la science ne cessent de progresser, et la bêtisation du public, elle aussi, ne cesse d'avancer, donc de s'accroître. Donc, et les manipulateurs disposent de moyens illimités. Voilà.